Étienne Symphorien Calalam Balandaï. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Bandeko Nabiso, Mbote Nabino Nyonso, Makambo Ezaebele, Basango Ezaebele, Basango Yamboka, Batitre Ezaebele, Doko Pola, Batitre Ezali, moi important. Ok, rebonjour ou rebonsoir, chers compatriotes. Malgré le fait que le président n'a pas pu attendre que l'on lui remette d'autres noms sur la liste des ministrables, il est parti quand même en Tanzanie au 39e sommet de la SADC. Pour rappel, la liste que le premier ministre Ilunga Ilunkamba avait présenté au président de la République contenait des noms qui ne remplissaient pas les critères. Et puis, il y a des noms qui ont été cités dans les médias, les noms des caciques du pouvoir, de Kabila, de la vieille Kabylie, si vous voulez, c'est-à-dire des vieux. Les jeunes n'étaient pas représentés, la féminité n'était pas représentée, et puis il y avait les Kokonyangi, il y avait les Kalev, mais c'était une insulte au peuple congolais. Et voilà, il a rejeté cette liste, il a barré au bic rouge de tous ces noms-là, il a demandé qu'on lui remette une liste qui respecte les conditions qui ont été exigées pour les ministrables. Et voilà, il s'est rendu en Tanzanie au 39e sommet de la SADC parce que, pour rappel, il est deuxième vice-président de l'Union africaine. Voilà. Alors nous vous présentons dans quelques secondes son discours à ce sommet qui a lieu à Dar es Salaam, en Tanzanie. Nous vous présentons ici le discours du président Félix Tshisekedi au 39e sommet de la SADC en Tanzanie à Dar es Salaam. Monsieur le Président Agé Gangob, Président de la Namibie et Président en exercice sortant de la SADC, Excellence Monsieur le Président John Pombe Magufuli, Président de la République unie de Tanzanie et Président en exercice entrant de la SADC, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distinguées Premières Dames, Madame la Secrétaire exécutive de la Communauté de développement de l'Afrique australe, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un honneur d'être ici à Dar es Salaam, à ce 39e sommet de notre organisation sous-régionale. Je voudrais d'abord présenter ma gratitude au gouvernement et au peuple frère de la République unie de Tanzanie pour l'accueil combien chaleureux et fraternel qui a été réservé à toute ma délégation ainsi qu'à moi-même depuis notre arrivée sur cette terre de Mwalimu Julius Nyerere, ce beau pays qui va de Tanganyika à Zanzibar, Jamhuri wa Muungano wa Tanzania. J'aimerais aussi particulièrement féliciter le président tanzanien, John Pombe Magufuli, qui va être élu président en exercice de la SADC.
C'est aussi pour moi l'occasion d'exprimer ma gratitude au docteur Hage Geingob, président de la République de Namibie et président sortant de la SADC, qui a fait avancer le programme d'industrialisation de la région. Ce programme a mis l'accent sur le développement des infrastructures, l'autonomie des jeunes, la promotion des droits de la femme et le développement durable, objectifs qui me tiennent à cœur. Mes félicitations s'adressent enfin à Madame Laurence Tax Tergomena, secrétaire exécutive de la SADC, pour sa remarquable contribution au développement économique régional et la mise en œuvre du plan stratégique indicatif de développement régional. Enfin, je remercie vivement tous les pays membres de la SADC pour leur accompagnement manifeste durant les moments les plus critiques, ce qui a permis d'éviter l'implosion de la République démocratique du Congo et de favoriser l'alternance politique, démocratique et historique vécue récemment après les élections de décembre 2018. Mesdames et messieurs, je prends l'engagement solennel de n'épargner aucun effort pour que mon pays, la République démocratique du Congo, avec votre accompagnement, recouvre rapidement dans sa partie Est la paix et la stabilité pour lui permettre de contribuer efficacement au processus d'intégration sous-régionale. Mesdames et messieurs, au moment où je prends la parole devant cette auguste assemblée, je voudrais vous informer que la partie est de mon pays est en proie à une insécurité persistante causée par les groupes armés d'origines internes et externes. Le plus redoutable de ces mouvements armés est celui des ADF-MTN, dont le modus operandi consiste à commettre des actes terroristes conformes à leur appartenance à Daesh, ce qui constitue une menace tant pour la République démocratique du Congo que pour toute la sous-région. C'est pourquoi j'ai élaboré un vaste programme pour le rétablissement de l'autorité de l'État visant à mettre un terme à l'insécurité qui sévit encore dans sa partie Est et favorisant la réconciliation de tous les fils et les filles de mon pays. Ceci aura comme conséquence l'instauration d'un État de droit et l'amélioration du climat des affaires. Mesdames et messieurs, je voudrais ici solliciter un peu, en vertu de la charte de notre organisation, votre solidarité envers mon pays et son peuple pour qu'à l'issue de cette session, nous puissions, à l'instar de la brigade spéciale qui opère sous le commandement de la MONUSCO et qui avait mis en déroute le mouvement de M23, prendre la ferme résolution de renforcer les forces armées de la République démocratique du Congo afin d'en finir définitivement avec tous ces mouvements qui sèment la mort et la désolation au sein de nos populations. Je propose de créer, à l'image de la Coalition mondiale contre le terrorisme, une coalition régionale pour éradiquer ce fléau. Mesdames et messieurs, au-delà de ces préoccupations sécuritaires, mon pays est également confronté à la maladie à virus Ebola qui sévit dans la même région. Compte tenu de la gravité de cette situation, j'avais mis en place au mois de mai dernier une cellule technique qui travaille sous ma supervision, composée d'experts de renommée internationale, parmi lesquels le docteur Muyembe, qui a identifié le virus d'Ebola et dont les travaux de recherche ont conduit à la découverte du MAB-114, une molécule thérapeutique pour
le traitement contre la maladie. Pour votre information, ces travaux seront récompensés le 30 août prochain par le gouvernement japonais. Cette stratégie de riposte nous a permis de mettre à l'abri la ville de Goma et de poursuivre l'éradication dans les autres parties qui seraient affectées, tels les deux cas détectés avant-hier à Bukavu. En même temps, le Rwanda, pays voisin, l'Organisation mondiale de la santé et la République démocratique du Congo se sont accordés pour adopter des mesures communes préventives permettant de renforcer la riposte. C'est ici l'occasion pour moi de saluer l'élan de solidarité qui s'est manifesté de la part de nos partenaires bi- et multilatéraux pour leur accompagnement et leur soutien. Je puis enfin vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour relever ce défi. Mesdames et messieurs, pour revenir au thème de la présente session, à savoir un environnement commercial propice au développement industriel inclusif et durable, à l'accroissement du commerce intracommunautaire et à la création d'emplois, laissez-moi vous dire que ce thème me conforte d'autant plus que mon pays, la République démocratique du Congo, qui partage ses frontières avec 9 autres pays, possède des atouts innombrables. Qu'il s'agisse de sa population, sa superficie, son écosystème, son sol et son sous-sol, son potentiel hydroélectrique et minier, la République démocratique du Congo demeure un maillon important dans le développement de la sous-région. Je m'engage à poursuivre l'intégration régionale et la politique de proximité avec tous les pays de la SADC. Dans ce contexte que je m'emploie à faire de l'intégration nationale, une réalité par la mise en place d'infrastructures adéquates ayant pour vocation de s'interconnecter au vaste programme de la sous-région. Mon vœu est de voir très rapidement toutes les populations de notre sous-région circuler librement de l'océan Indien à l'océan Atlantique, de Dar es Salaam à Lobito, de Mombasa à Banana, de Haru à Durban. Je voudrais également rappeler que le développement des ressources énergétiques, notamment l'électricité, est un atout majeur pour l'industrialisation de nos pays. À cet égard, la République démocratique du Congo offre de n'exploiter le potentiel de la République démocratique du Congo pourrait satisfaire aux besoins de l'ensemble de la sous-région et au-delà de l'Afrique tout entière. Le développement durable, c'est aussi l'agriculture. Point n'est besoin de rappeler qu'en cette matière, mon pays dispose aussi d'énormes capacités. Voilà ce que mon pays est disposé à apporter pour l'accomplissement de l'ambitieux programme que nous nous sommes fixés pour notre sous-région. Excellence, Monsieur le Président Hage Geingob, Président de la Namibie et président en exercice de la communauté, le président en exercice sortant de la communauté de développement de l'Afrique australe, Excellence, Monsieur le Président John Pombe Magufuli, président de la République unie de Tanzanie et président entrant de la communauté de développement de l'Afrique australe, Excellence, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distinguée Première Dame, Madame la Secrétaire exécutive de la Communauté de développement de l'Afrique australe, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, pour terminer,
j'ai la ferme conviction que les assises du présent sommet aboutiront à des propositions concrètes afin de créer un environnement commercial et sécurisé propice au développement industriel inclusif et durable dans notre espace SADC. Au nom du peuple congolais et au mien, je souhaite plein succès aux travaux et délibérations du 39e sommet de la SADC. Kwa niaba ya raia wote wa Congo na mimi mwenyewe na watakia mafanikio mema ya kazi yetu. Félicitons-nous de l'adoption du Swahili comme quatrième langue de travail. Que Dieu bénisse notre communauté. Je vous remercie. À Santeni. Alors, chers compatriotes, au revoir. Boutique à la Malamou, Benobikanambote. Wandugwa penzi tu na maliza tu taona na kesho mpangi ya mono ya luzoro benu bikanambote betu tamalana mbasi bana betu basi uibwe shala ibip nitu muna nana chikondo chikwabu kufideo mkwabu ana lingo amboshila.